plutôt que d'en parler, bon, c'est ce qu'on a fait beaucoup. Je pense que la meilleure façon, c'est d'en lire un peu. Vous voyez, on l'appelle Marie-Walter Tal, porte-plume de Dieu. Et donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est vous en lire un passage. Donc, je ne peux pas tout vous lire. J'ai choisi un passage qui n'est pas tellement représentatif de l'œuvre, parce que vous allez voir, c'est une scène très intime, quelque chose qui n'est pas mentionné dans les évangiles, ou qui met en scène deux personnages, Jésus et Marie. À un moment très particulier de leur parcours respectif, Jésus va démarrer sa vie publique et Marie sait que elle perd son fils. Enfin, pas encore, je veux dire, mais il sera plus complètement que à elle. Et donc, Jésus nous donne à voir une scène d'adieu qui n'en est pas une, puisqu'en fait, ils vont se revoir pendant les 3 années de vie publique, mais qu'à la charge émotionnelle d'une scène d'adieu, en fait. Alors, avant de vous lire quelques passages de cette scène, je suis tombé là-dessus l'autre jour. Et quand vous lisez simplement la table des matières, hein, ça s'appelle la table des chapitres, et vous lisez simplement les titres du tome 1, là j'ai le tome 1 dans les mains, je vous en lis quelques-uns, à soi seul c'est d'une beauté, et vous voyez tout l'évangile qui se déroule sous vos yeux, rien qu'avec les titres. Alors vous voyez par exemple, ça démarre, c'est « Une pensée en guise d'introduction. Dieu a voulu un saint immaculé. » C'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, hein, je ne vais pas vous dire à chaque fois les chiffres. « Anne et Joachim font un vœu au Seigneur. » À la fête des tentes, Anne et Joachim possédaient la sagesse. Chapitre 4, « Anne annonce sa maternité par un cantique. Son sein porte l'âme immaculée de Marie. » Naissance de Marie, sa virginité dans la pensée éternelle du Père. Puis ensuite, vous passez première année de vie publique de Jésus. Voilà. Et donc, c'est par là que je vais commencer. En fait, c'est le chapitre 44. Donc, si vous avez autour de vous des gens qui se lancent dans la lecture, moi, je leur conseille de commencer par le chapitre qu'on va parcourir là. Parce que là, on trouve tout de suite un Jésus adulte qui va démarrer sa vie publique. Bon, vous êtes prêts? On va rentrer, regardez, j'ai trouvé cette image. On va rentrer dans la petite maison de Nazareth. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable, là. Donc, ça s'appelle chapitre 44, les adieux de Jésus à sa mère et son départ de Nazareth. Les larmes et la prière de la corédemptrice. 9 février 44, 9h30. Je vois l'intérieur de la maison de Nazareth. Une pièce, une salle de séjour, dirait-on, où la Sainte Famille prend ses repas et se délasse aux heures de repos. Cette toute petite pièce ne comprend qu'une simple table rectangulaire à côté d'une sorte de coffre rangé contre un mur. Il sert de siège d'un côté. Contre les autres murs se trouve un métier à tisser et un tabouret. Puis deux autres tabourets et une étagère avec des lampes à huile et quelques autres objets. Une porte est ouverte sur le jardin. Le soir doit être proche car il n'y a plus qu'un dernier rayon de soleil sur la cime d'un grand arbre dont les toutes premières feuilles commencent à peine à verdir. Jésus est assis à table. Il mange, tandis que Marie le sert en allant et venant par une petite porte qui, je suppose, ouvre sur l'endroit où se trouve le foyer dont on aperçoit la lueur par la porte entrebâillée. Jésus demande 2 ou 3 fois à Marie de s'asseoir et de prendre son repas elle aussi. Mais elle refuse et secoue la tête avec un triste sourire. Après des légumes cuits à l'eau qui me semblent tenir lieu de soupe, elle apporte des poissons grillés puis un fromage assez mou, comme un fromage de brebis frais, et de formes rondes qui rappellent les galets que l'on voit au fond des torrents, ainsi que de petites olives noires. Le pain, qui se présente sous la forme de petites boules rondes, larges comme un plat ordinaire et pas très épais, est déjà posé sur la table. Jésus a devant lui une amphore avec de l'eau et une coupe. Il mange en silence et regarde sa mère avec une expression d'amour douloureux.
Il est visible que Marie a de la peine. Elle va et vient pour se donner une contenance. Bien qu'il fasse encore assez clair, elle allume une lampe, la pose près de Jésus et allonge le bras pour caresser la tête de son fils d'un geste furtif. Puis elle ouvre une besace qui me paraît être en laine vierge tissée à la main et donc imperméable de couleur noisette. Elle fouille à l'intérieur, sort dans le jardin, va tout au bout, dans une espèce de débarras. Puis, on ressort avec des pommes plutôt ratatinées, certainement conservées depuis l'été. Marie s'approche de nouveau de la table, du côté le plus étroit, à gauche de Jésus, et elle le regarde manger. Son expression est empreinte de tristesse et d'adoration. Son visage, beaucoup plus pâle qu'à l'accoutumée, paraît encore vieilli par la peine. Des cernes autour de ses yeux les font paraître d'autant plus grands et témoignent des larmes qu'elle a versées. Ils paraissent aussi plus clairs que d'habitude, comme lavés par les larmes qui perlent déjà à ses yeux, prêtes à tomber. Ce sont deux yeux douloureux et fatigués. Jésus mange lentement, manifestement à contre-cœur et surtout pour faire plaisir à sa mère. Plus pensif qu'à l'ordinaire, il lève la tête et l'observe. Il rencontre un regard empli de larmes et baisse la tête pour respecter son émotion. Il se contente de prendre la main délicate qu'elle appuie sur le rebord de la table, la saisit de sa main gauche et la porte à sa joue. Il y appuie la sienne et l'effleure un moment pour sentir la caresse de cette pauvre main qui tremble. Puis, il en embrasse le dos avec un infini amour, un infini respect. Je vois Marie porter sa main libre à gauche à sa bouche pour étouffer un sanglot, puis essuyer de ses doigts une grosse larme qui déborde de ses cils et coule sur sa joue. Jésus se remet à manger et Marie se hâte de sortir dans le jardin où la lumière s'est faite rare puis disparaît. Bon, je ne peux pas lire tout, donc je passe. En fait, Marie va dans le jardin, l'émotion est trop forte et Jésus, ne la voyant pas revenir, la cherche et la rejoint dans l'atelier, l'ancien atelier de Joseph, où d'ailleurs elle nous précise que tout est rangé. On comprend que voilà, Joseph est mort déjà depuis quelque temps. Penchée sur l'établi, Marie pleure. On dirait une enfant. La tête posée sur son bras gauche replié, elle pleure sans bruit, mais si légèrement qu'elle ne s'en rend compte que lorsque son fils pose la main sur cette tête penchée en l'appelant « maman ». D'un ton de reproche plein d'amour. Marie relève la tête et regarde Jésus, les yeux voilés par les larmes. Puis elle s'appuie à lui, les mains jointes contre son bras droit. Alors Jésus lui essuie le visage avec un pan de sa large manche, puis il l'embrasse, l'attire sur son cœur et lui dépose un baiser sur le front. Il est majestueux et donne l'impression d'être plus viril que d'ordinaire. Marie, elle, paraît plus enfant, exception faite de son visage marqué par la douleur. « Viens, maman, » lui dit Jésus en l'enserrant étroitement contre lui de son bras droit. Et il revient dans le jardin où il s'assied sur un banc contre le mur de la maison. Le jardin, désormais dans l'obscurité, est silencieux. Il y a seulement un beau clair de lune et la lumière qui sort de la pièce. C'est une nuit paisible. Jésus parle à Marie. Au début, je n'en comprends guère les paroles, à peine murmurées, auxquelles Marie acquiesce d'un signe de tête, puis j'entends. Et donc là, c'est Jésus qui parle. « Et fais venir notre parenté, ne reste pas seul. Je serai plus tranquille, mère, et tu sais combien j'ai besoin d'être tranquille pour accomplir ma mission. Mon amour ne te fera pas défaut. Je viendrai souvent et je te ferai prévenir quand je serai en Galilée sans pouvoir venir à la maison. C'est alors toi qui viendras me revoir, maman. » Cette heure devait arriver. Elle a commencé ici quand l'ange t'est apparu. Elle sonne aujourd'hui et il nous faut la vivre, n'est-ce pas, maman? Plus tard,
viendra la paix de l'épreuve surmontée ainsi que la joie. Mais il nous faut d'abord traverser ce désert, comme nos pères autrefois, pour entrer dans la terre promise. Le Seigneur nous aidera comme il l'a fait pour eux. Il nous donnera son aide en guise de manne spirituelle pour nourrir notre âme au plus fort de l'épreuve. Disons ensemble à notre Père. Et ça, c'est une surprise, c'est que le Notre Père, il a été donné aux apôtres seulement dans la deuxième année de vie publique. Or, quand on lit le tome 1, le premier Notre Père, il est récité par Jésus dans l'intimité de cette scène, dans l'obscurité du jardin. Et voilà, Jésus se lève et Marie avec lui. Il tourne les yeux vers le ciel. Ce sont deux hosties vivantes qui resplendissent dans l'obscurité. Lentement, mais d'une voix claire, et en détachant ses mots, Jésus récite la prière dominicale. Il insiste fortement sur les mots « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », en détachant bien ces deux phrases des autres. Il prie les bras ouverts, pas vraiment en croix, mais comme le font les prêtres lorsqu'ils se tournent pour dire « Le Seigneur soit avec vous ». Marie, elle, garde les mains jointes. Bon, je vais à la fin de la scène. Jésus saisit son manteau bleu foncé, le met sur ses épaules, se couvre la tête de la capuche. Puis il passe son sac en bandoulière pour qu'il ne le gêne pas pour marcher. Marie l'aide et n'en finit pas d'arranger son vêtement, son manteau, sa capuche, et en même temps, elle le caresse encore. Jésus marche vers la sortie après avoir tracé un geste de bénédiction sur la pièce. Marie le suit et il se donne un dernier baiser sur le seuil. Sous le clair de lune, la rue est silencieuse et vide. Jésus se met en route. Il se retourne par deux fois pour regarder sa mère, qui est resté appuyé au chambranle de la porte. Le visage plus blanc que la lune est brillant de larmes silencieuses. Jésus s'éloigne peu à peu dans la ruelle blanche. Marie pleure toujours contre la porte. Puis Jésus disparaît à un tournant. Il vient de commencer son chemin d'évangélisateur qui s'achèvera au Golgotha. Marie, en larmes, rentre et ferme la porte. Elle aussi vient de commencer le chemin qui la conduira au Golgotha. Fin de la vision. Et après, on peut se dire, c'est super, mais c'est magnifique. Vous voyez, les sentiments sont décrits, le moindre battement de cils, c'est plein de pudeur, il n'y a aucun voyeurisme là-dedans. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus nous donne à voir cette scène d'adieu, quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelles leçons faut en tirer, quoi ? Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie de ça ? Et là où l'œuvre est absolument géniale, c'est qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce chapitre 44, il est en deux parties. Donc la première partie, on a la vision, et la deuxième partie, il y a l'enseignement. Et Jésus va nous expliquer pourquoi il nous donne à voir cette scène, et qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, dans notre vie, quoi, en fait. Donc là, je vais vous lire vraiment le minimum, et je vous invite vraiment à le lire dans son intégralité. Donc maintenant, c'est Jésus qui prend la parole. Jésus dit « Voici la quatrième douleur de Marie, mère de Dieu. La première douleur fut la présentation au temple. La seconde douleur, la fuite en Égypte. La troisième, la mort de Joseph. La quatrième, notre séparation. » Donc je passe, parce que maintenant il va nous donner l'enseignement, et puis je terminerai à la fin, une toute petite, 4-5 phrases, et il nous donne des conseils de prière. Toujours utile. L'enseignement qui ressort de la contemplation de mon départ s'adresse tout particulièrement aux parents et aux enfants que la volonté de Dieu appelle à un renoncement réciproque pour un amour plus élevé. En second lieu, cet enseignement concerne tous ceux qui doivent affronter un renoncement pénible,
ce qu'on a tous plus ou moins vécu dans nos vies. Or, dit Jésus, vous en trouvez combien dans la vie ? Ce sont des épines sur la terre qui vous transpercent le cœur, je le sais, mais elles se changent en roses éternelles pour ceux qui les accueillent avec résignation. Attention, je ne dis pas pour ceux qui les accueillent avec joie, ce qui serait déjà la perfection. Je dis bien avec résignation. Mais peu d'entre vous les accueillent de cette manière. Tels des ânes rétifs, vous vous rebiffez contre la volonté du Père. Quand encore vous ne cherchez pas à le blesser par des ruades et des morsures spirituelles, en d'autres termes, en vous révoltant et parfois en blasphémant contre Dieu. Et n'allez pas dire « Mais je ne possédais que cela et Dieu me l'a enlevé. Je n'avais que cette affection, que cet être et Dieu me l'a arraché. » Marie elle-même, cette femme aimable, dont l'affection était parfaite chez la pleine de grâce, même les formes affectives et sensibles étaient parfaites, ne possédait qu'un seul bien, un seul amour sur terre, son fils. Il ne lui restait que lui. Ses parents étaient morts depuis longtemps, Joseph depuis quelques années. Il n'y avait que moi pour l'aimer et lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. Moi, je vais lire la dernière partie quand il nous donne des conseils de prière. Le premier Notre Père a donc été dit dans le jardin de Nazareth pour consoler Marie de sa peine et offrir nos volontés à l'Éternel au moment où débutait pour ses volontés une période de renoncement toujours croissant qui culminera pour moi dans le renoncement à la vie et pour Marie dans la mort de son fils. Et bien que nous n'ayons rien à nous faire pardonner par le Père, nous avons tenu, nous, les sans faute, à implorer le pardon du Père pour être pardonnés, absous, ne serait-ce que d'un soupir à l'encontre de la dignité de notre mission. Cela pour vous enseigner que plus on est en grâce, plus notre mission est bénie et féconde. Pour vous enseigner le respect de Dieu et l'humilité, devant Dieu le Père, même nos deux perfections d'homme et de femme se sont senties comme un néant et ont imploré pardon comme elles ont demandé le pain quotidien. Or, quel était notre pain à nous ? Oh, pas celui que pétrissaient les mains pures de Marie et qui cuisait dans le petit four pour lequel j'avais tant de fois lié les fagots. Celui-là aussi est nécessaire tant qu'on est sur terre. Mais notre pain quotidien, c'était d'accomplir jour après jour notre tâche de mission. Que Dieu nous la donne tous les jours, car accomplir la mission que Dieu nous confie fait la joie de notre journée. N'est-ce pas, petit Jean ? Jésus appelait Marie Valtorta petit Jean, parce que signe de très très grande affection. Ne dis-tu pas, toi aussi, que la journée te paraît vide, inexistante, quand la bonté du Seigneur te prive d'un seul jour de ta mission de souffrir ? Je terminerai avec ça. Marie prie avec Jésus. C'est Jésus qui vous justifie, mes enfants. C'est moi qui rends vos prières fécondes et dignes d'être acceptées par le Père. Je l'ai dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et l'Église confirme cette prière en disant « Par Jésus-Christ notre Seigneur ». Alors, lorsque vous priez, unissez-vous toujours à moi, toujours. Je prierai à haute voix pour vous et couvrirai ainsi votre voix d'homme par ma voix d'homme Dieu. Je mettrai votre prière sur mes mains transpercées et je l'élèverai vers le Père. Votre prière deviendra une hostie d'une valeur infinie. Ma voix, unie à la vôtre, montera comme un baiser filial vers le Père
et la pourpre de mes blessures donnera du prix à votre prière. Soyez en moi si vous voulez avoir le Père en vous, avec vous, pour vous. Je m'arrête ici. Donc vous voyez, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, quel que soit les tomes, c'est rare que Jésus nous dise quel enseignement on peut retirer d'une scène comme ça. Parce que souvent, on le voit, il enseigne, et donc quand il enseigne aux foules, ben nous, en tant que lecteurs, on bénéficie exactement du même enseignement. Donc, pour finir, et pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, la question, c'est qu'est-ce que c'est Maria Valtorta ? Moi, je ne sais pas pour vous, ceux qui ont déjà lu, mais quand on vous pose la question, il y a toujours un grand moment de solitude. Que dire ? Que dire, quoi dire ? Sachant que souvent, quand on nous pose la question, on n'a pas énormément de temps. Alors, je vais essayer de terminer voilà, en essayant de le préciser, si tant est que ce soit possible. J'ai extrait une phrase que m'a envoyée François-Michel Debroise par mail, avec lequel on échangeait sur cette question, c'est quoi Maria Valtorta ? Et vous voyez, François-Michel Debroise m'écrit, j'ai extrait la phrase, hein, « C'est réellement l'évangile que nous avons dans les mains quand on tient un livre de Maria Valtorta. Ce n'est pas un autre évangile. Ce n'est pas un nouvel évangile. Ce n'est pas un cinquième évangile. Mais l'évangile éternel exprimé une seconde fois. » C'est ça qui est compliqué à comprendre. Jésus ne nous dit rien de nouveau, ne dit rien de plus de ce qu'il a dit il y a 2000 ans. La grâce, la chance, le cadeau, c'est que par le sacrifice de Maria Valtorta, pour la première fois depuis 2000 ans, on ne peut même pas réentendre. Parce que la seule chose que l'on connaissait de ce qu'il avait dit nous était rapportée par 4 évangélistes. La chance, le cadeau, c'est que pour la première fois depuis 2000 ans, on l'entend et on le voit comme un apôtre, comme une foule, comme si on était là. C'est ça qui est difficile d'expliquer. On entend le Verbe tel qu'il a été dit. Ce matin, on faisait un petit exercice, enfin, on rigolait là-dessus, mais la capacité de mémoire, si on faisait un tour de table là, de qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, vous seriez très surpris de voir qu'on a entendu au mieux 25-30%, au mieux, et qu'il faudrait faire un long tour de table pour avoir une idée approximative de tout ce qui a été dit. Certains d'entre vous ont retenu les pyramides, d'autres le texte d'expiation, voilà. Puis on a des moments où la tension vacille. Et les 4 apôtres, c'était pareil. En plus, ils ont écrit 30, 40 ans, 70 ans après. Et là, pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, alors là, Jésus a considéré que pour le 21e siècle, il serait bon, à nous qui avons la tête dure, et qui sommes avec des églises vides et en pleine... comment dirais-je, abandon de la foi, non pas d'entendre une nouvelle parole, mais de réentendre ce qu'il a dit. Alors, vous voyez, il le dit lui-même, tu as pour mission d'être une voix mondiale. Tu dois chanter l'hymne de la miséricorde et de l'amour, de la sagesse et de la perfection pour toutes les oreilles et tous les cœurs, pour toutes les intelligences et toutes les âmes. Voilà pourquoi, après t'avoir préparé à cette capacité, j'ai fait de toi une voix parfaite, un géant. Et il ajoute plus loin, « Sais-tu, Maria, ce que tu fais ?» Vous voyez, « Ce que je fais ?» C'est lui le chef d'orchestre. « En te dévoilant l'Évangile, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Les amener ou peut-être les ramener, je ne sais pas. » Il faudrait regarder le terme exact en italien. Tu l'as désiré par des prières ardentes, parce que ça c'est son expiation. Je ne me borne plus à la parole. Elle les fatigue et les éloigne. Qui lit les évangiles aujourd'hui dans notre jeunesse ? Allez dire à un jeune qui est né dans la poudre ou les films porno, mais tu sais mon chéri, Jésus t'aime. C'est pas ça qui va l'amener, enfin peut-être, mais par contre s'il lit l'évangile de Maria Valtorta, il va être saisi. Et l'évangile de Maria Valtorta va le ramener aux 4 évangiles. L'évangile de Maria Valtorta, il est au service des 4 évangiles.
voyez, elle les fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai recours à la vision. Et je vous ai montré tout à l'heure, c'est très visuel, Maria Valtortara. Comme si Jésus sentait qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans un siècle d'écrit, hein. On est dans un siècle d'images. À la vision de mon évangile, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante, et regardez, le pasteur, c'est moi, et tu es la houlette qui les conduit à moi. Donc, lire Maria Valtortara, ce que m'avait dit une lectrice, c'est un cœur à cœur avec Jésus. C'est vraiment une, c'est une rencontre avec Jésus, avec le Verbe. Donc, si vous rencontrez le Verbe, vous rencontrez Jésus, vous rencontrez le Verbe. Si vous rencontrez le Verbe, vous rencontrez Dieu. Donc, lire Maria Valtortara, c'est une rencontre avec Dieu, tout simplement. Et c'est difficile de dire ça à un repas dominical le dimanche, entre l'entrée, la poire et le fromage. Mais bon, c'est pourtant bien ça dont il s'agit. Vous voyez, il dit, c'est moi, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est moi. C'est la parole vivante et éternelle qui me suis de nouveau donnée en nourriture aux âmes que j'aime. Et donc, lire Maria Valtortara, désolé pour les images, l'écran n'est pas top. C'est absolument tout revoir, ce que vous connaissez déjà, comment il choisit les apôtres, tous les villages qu'il traverse, et c'est voir des choses qui ne sont pas forcément mentionnées dans les évangiles et qui nous aident à mieux comprendre et à mieux aimer Jésus. Et donc à nous approcher encore plus près de sa parole. C'est ça, Maria Valtortara. C'est ça, le cadeau. Et puis vous avez... C'est une rencontre avec Jésus, mais c'est une découverte de la... de Joseph, de Pierre. Je vous montre ici des dessins qui ont été faits en collaboration avec Ferry. C'est la rencontre avec Marie-Madeleine, avec Jean. Bon, je passe. Jésus, André, Matthieu, collecteur d'impôts. Et lui, Jean-Baptiste. Race, les rois mages, je passe, Judas, Gamaliel, Barthélemy, Joseph d'Arimathie, Saint-Étienne, Thomas, Jacques ou Jude, je ne sais plus. Alors, lisez cette œuvre et faites-la lire, nous a dit Jésus. Et voyez, Marie ajoute, ça vous le trouverez dans les carnets, Marie, la Vierge Marie. Elle dit, je voudrais que cette révélation qui t'a été faite, donc l'évangile de Maria Valtortara, soit connue du monde. Car, dit Marie, elle serait un filet de pêche miraculeuse, une lumière dans les ténèbres de nombreux cœurs, du sel, du pain, du vin, de vie éternelle. Donc, qu'est-ce que c'est Maria Valtortara? Eh bien, je pense qu'on peut faire confiance à la Vierge Marie, c'est une révélation. C'est un filet de pêche miraculeuse. C'est une lumière dans les ténèbres. Il ne suffit pas de regarder longtemps BFM TV pour voir qu'on y est dans les ténèbres. C'est du sel, du pain, du vin de vie éternelle. Alors, vous voyez, j'ai trouvé ce tableau sur Internet. On voit Pierre et Jean qui viennent d'apprendre que le Saint-Sépulcre est vide. Je ne sais pas si à ce moment-là, ils ont bien compris, s'ils savent bien que c'est soit on a volé le corps, soit... Il s'est passé un événement unique dans toute l'histoire de l'humanité, la résurrection. On montrera d'ailleurs le Saint-Suaire. Eh bien, il me semble, moi quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais c'est pas ce qui se passe malheureusement, mais on devrait faire comme eux. À partir du moment où on a entendu parler de Maria Valtortara, on a commencé à lire, on découvre le sacrifice, le prix que Maria Valtortara a payé pour nous offrir ça. On devrait s'habiller, se hâter, courir et prendre les livres et lire. Alors, moi je pense personnellement que, vous voyez dans cette petite chambre-là, dans le fracas des armes de la Seconde Guerre mondiale, pendant que Satan avait le dos tourné, il était très occupé hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, 60 millions de morts, dans cette petite ville, ce petit bourg de bord de mer, enfin inconnu au bataillon, dans une chambre anonyme, une jeune femme anonyme, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose dont on n'a pas fini, à mon sens, d'évaluer la portée humaine, spirituelle. Mais je pense que c'est le plus grand événement du XXe siècle, et puis je terminerai là-dessus, ça n'engage que moi. Je pense que c'est l'événement le plus important depuis la résurrection du Christ.
C'est énorme ce qui s'est passé dans cette petite chambre. Chevaux, merci.